qui passent un week-end avec leur gosse, tu vois, qui ont enfin pu se libérer un week-end pour passer avec leur gosse, qui donc l'amènent en convention et qui découvrent ce que leur gosse regarde, et l'espèce de babouin qui fait des vidéos sur l'internet et qui, je t'en prie, Fanta, pars avec, je vais trouver du bois. Je t'en remercie. Et qui dit des conneries et de la merde à leur gosse à longueur de journée, quoi, en tant que substitut. Et la plupart du temps, bah, les mamans repartent charmées et les pères repartent avec une grande claque dans le dos, ils sont plutôt contents. Donc, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'ils se rendent compte de la chaleur humaine qui se dégage de ce genre de ta bite. Bah, non, mais. Monsieur, bonjour. J'ai les mains pleines. Voulez-vous bien me serrer la bite? Vous verrez, il y a beaucoup de chaleur humaine. Ah, t'es con. Ah non, mais je veux dire, non, mais voilà, quoi. Moi qui essaie de faire un message et tout. Oh, le mec. Ah, il me prend le message et il le biffe, quoi. Bienvenue dans The Witcher 3 Wild Hunt, la chasse sauvage. Ce didacticiel va vous présenter les éléments essentiels du jeu. Chaque message sera sauvegardé dans le glossaire. Vous trouverez aussi des informations détaillées sur l'histoire du monde et les mécaniques de jeu. Pour désactiver les messages de didacticiel, ouvrez le menu des options. Vas-y, oh, putain, active-le. Putain, non, mais j'ai fait un truc. C'est quoi ce bordel, right bouton? Putain de merde. J'ai un truc à l'écran, c'était un truc pour écrire, bordel de chèque. Oh là là là, il a appuyé sur... Ah, il écrit des choses à gauche. Retourne dans le gamepad back pour bouton chat, mais... Ah fuck. C'était le bouton de chèque. Il est en train de me parler, attendez, mais c'est magique. Re les amis, je suis dedans. Ma femme me le dit souvent. Voilà. C'est dégueulasse. Attends, du coup, on ouvre ça et on pète tous ces trucs à pop. C'est dégueulasse, c'est la nature, Bob. Oui, non, mais si c'est ta femme qui te dit « Oh les amis, je suis dedans », Ah non, voilà. Non, effectivement. Là, ouais, tout de suite... Tant que c'est pas les amis qui disent « Je suis dans ta femme ». Oui, non, mais... putain, tu t'enfonces, mon cher Pantin, tu t'enfonces. Et là, par contre... Là, je me demande si j'accepterais de faire regarder le best-of à madame. Vous approchez d'un village, ne troublez pas sa tranquillité. N'oubliez pas que les gardes ne tolèrent pas le vol et n'apprécient pas qu'on importune les gens. Les habitants installent souvent des panneaux d'affichage près des villes et des villages. Ils sont signalés par l'école sur votre carte. Examinez-les pour obtenir des informations sur les contrats, les missions pour les sorceleurs et les événements locaux. Il va avoir une haleine de cheval après ça. Il vaut mieux avoir une haleine de cheval qu'une bite de cheval dans son cul. La blague de merde. Ah bah écoute, hein, moi je stream hein, sur internet, je suis censé meubler les vides. Je te propose de faire la suite sortie directement en DVD et pas dans les salles de cinéma. Broopocalypse 3. Allez, c'est parti, on y retourne. C'est parti. Chers amis, on est là dans le Broopocalypse. Nous sommes dans le film Broopocalypse 4. Le retour de la vengeance d'Éjaculatron. Joli! Oh, oh! One shot le caribou! Oh merde, 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 merde! Allez, venez! Venez, t'as de mécréants! Mécréants, Fanta, je t'invite à surveiller ton langage. Ouais, fais FDP! Ok. Ah putain, impeccable. Ça perd l'hypopète, bordel. Comment ça fonctionne le fait d'être corrompu au département finance quand tu bosses pour Mundus? Est-ce que t'arrives tous les 7h du mat, 8h du mat, tu sais, tu pointes. Bonjour Michel, ouais. Une bonne journée de folie en perspective. Ah ouais, machin. Puis tu montes au 189e étage, et une fois que t'es au 189e étage, tu fais t'es bonjour Gisèle. Et tu sais, comme ça, jusqu'à la fin de la journée, et tu sais, 17h, ah, il faut que je dépointe, il faut que je repasse prendre mes enfants à l'école. Tu feras un bisou de ta part à ton fils, Gisèle, et... Ça va, René? Oui, il fait des heures sup. Et ici, il y a une potion Paladin's Shield que j'aurais bien récupéré. Oh. Hop, oula. Dommage, t'es pété sur moi. Passé. C'était un accident. Ah, oh. Et je suis mort dans la troisième fois. C'est pas très grave. Tiens, passe le portail et téléporte. C'est pas grave. J'ai re-tépé au lit et je peux. Et je peux me retaper dans le passage. Non, non, je déconne, c'est de ma faute. Blood moon has begun. Hop, bien sûr, j'ai mon sac de contrebande, mais je ne veux pas l'abîmer. Et j'ai une clé de personnel en plastique rouge que j'aimerais tellement utiliser pour voir ce qu'il y a de l'autre côté.
Allez les mecs. Oh putain! Ouh! Ouais, c'est quoi ça? Dis donc, je connaissais pas lui. Attrape, monsieur. Attrape. Overfish. Ah, trop sympa. Ah! Ok. J'ai l'impression que c'est pas très gentil. Ok. Ah! Ah! Pardon. Ah bah il fait nuit, hein. C'est normal, je crie. Alors. Oh fuck. Ah, faut pas regarder en bas. En fait, c'est pas la hauteur qui m'inquiète, c'est plus le nombre de mobs. Oh putain! Ah! Oh putain. TP Bob Lennon. Oh mon dieu, le sauvetage! Heureusement qu'on avait la cordelette. C'est la magie. Attention, le mousqueton. Le mousqueton. Vous pensez que je peux passer dans le trou? Ah! Ah! Oh putain. Ok, là j'ai pris cher. Oulala, je suis désolé les mecs. du quartz. Ça c'est un poisson, ça a un creeper quoi. Bah, comme dans son cul. Ah, le jeu vous baisse comme dans son cul. Voilà, je... Il était gratuit, j'étais en train de réfléchir. Tu sais, quand t'as les lettres qui sortent. En fait, la fin de Devil May Cry, à chaque fois les fins de niveau, c'est des fins de comment ça s'appelle des chiffres et des lettres en fait. T'es là. Consonne. C. Consonne. D. Consonne. S. Consonne. C. C, D, S, C. Jean-Michel Emmanuel Albert. En quatre mots. Jean-Philippe Delabaye. Pareil. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça? Ah ben, comme dans son cul. Ah oui, comme dans son cul, expression grivoise utilisée et inventée au XIVe siècle par les paysans qui voulaient indiquer lorsqu'une femme était enceinte de deux enfants. Ils ne comprenaient pas le principe des jumeaux. Ils pensaient qu'il y en avait un devant et un derrière. Oui, très très bien. Magnifiquement. 15 points, 15 points. C'était... C'était... Ça veut rien dire. Dégage, sale flic. Philippe, je sais où tu te caches. Viens par là que je te bute, enculé. Putain, j'ai essayé. Tu sais ce que je fais, Fanta, depuis tout à l'heure? J'essaie de viser le réservoir, mais t'es derrière une voiture électrique. Non, tu déconnes. Non, c'est une hybride, c'est une Prius. Tu déconnes pas, je conduis la même. Il y a un guac. Attention. Salaud. Fire in the wall. Non, fire in the hall. Fire in the hall. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça. Si, t'as dit fire in the wall. Et tu... Oh fuck. Philippe! Philippe! Les mecs qui font n'importe quoi, c'est débile! C'est débile! C'était juste pour le spectacle, là!